Voilà, donc bonsoir Chantal et bonsoir Emmanuel. Bonsoir Pascal, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Voilà, donc je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi, pour ta session. Et ben, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. Ok. Alors bon, alors premier point, toujours d'un point de vue physique. Alors j'ai des hallux valgus aux deux pieds et le pied droit a été opéré l'année dernière et comme la déformation a été importante, le chirurgien a posé une plaque et quatre vis, dont une vis qui n'a pas tenu. Donc elle ressort, ce qui m'a occasionné et ce qui m'occasionne encore des douleurs et qui m'empêche de bien marcher. Donc j'aimerais savoir si c'est juste de la malchance ou s'il y a autre chose derrière. Tu dis qu'il y a une vis qui n'a pas tenu et qui est, tu veux dire qu'il n'est plus là ou qui est. Si elle est encore là, disons qu'elle ressort, on voit au niveau de la peau, Ah ça ressort, bon? oui. Ah bah d'accord, ok. Voilà. Ok. Bon. Très bien. Ensuite, deuxième point, la peau. Donc, j'ai fait trois basocellulaires. Alors, les basocellulaires, c'est des petits cancers de la peau quand même, qui ne sont pas forcément graves parce qu'il n'y a pas de métastase, mais bon, quand même. J'aimerais bien savoir pourquoi et puis que ça s'arrête, quoi. Ben oui, et c'est à quel niveau que tu as ces. Alors, j'en ai eu un au niveau du nez, au niveau de l'épaule gauche et au niveau de la joue droite. D'accord. J'ai une peau qui est toujours grasse avec des pores dilatés, malgré mon âge, hein, je pensais que ça allait se calmer avec le temps, mais non. J'ai beaucoup de grains de beauté. Et j'ai aussi des petits, comment ça s'appelle, des petits angiomes, des petits points rouges, voilà, qui apparaissent. Enfin, et puis d'autres choses qui apparaissent sur la peau et c'est pareil, quoi. Faudrait que ça s'arrête. Ok, on verra ça. Voilà. Troisième point, c'est intolérance et allergie. Alors, je fais beaucoup d'intolérance alimentaire. Quel genre, sur quoi par exemple? Eh ben, par exemple, sur le café, le chocolat, le pain. Il y a d'autres choses, mais là, j'ai pas noté, donc j'ai plus rien dans la tête. D'accord. Et je fais des allergies aussi à certains végétaux, à certains produits chimiques, comme dans la lessive, les produits de maquillage, voilà, le plâtre et puis d'autres choses. D'accord. Voilà. Donc le quatrième point. Donc depuis 20 ans, j'ai une phobie de la route, ce qui fait que je ne conduis plus en dehors de ma ville. Alors c'est survenu donc il y a 20 ans, un soir, alors que je conduisais sur l'autoroute. Je revenais de chez ma sœur, j'avais mon fils à l'arrière, il avait 3 ans à l'époque. Et tout à coup, je me suis sentie très très mal. Et j'ai eu juste le temps de me garer et d'appeler les gendarmes parce qu'il y avait un téléphone de secours, ou je ne sais pas comment on dit. Et j'ai fait une crise de tétanie. Voilà. Et donc, cette crise de tétanie, donc les gendarmes et les pompiers sont arrivés. Donc, il y a un pompier, là, je me souviens qu'il a dit que la semaine d'avant, une femme avait fait aussi une crise de tétanie à cet endroit-là. Donc, voilà, ça m'a un peu interpellée. Ok. Et puis après, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Donc, D'accord. je n'ai pas de souvenir de l'hôpital, j'ai plus de souvenirs. D'accord. Et depuis, donc, tu as cette phobie de la route. Voilà, après cette crise-là. Et de la route en général, pas que de cette route-là, tu veux dire. Ah ouais. D'accord. Voilà. Puis après juste cette crise, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'angoisse et de sensations de mort imminente pendant des mois. Je suis morte au moins une dizaine de fois par jour, hein, à ce moment-là. Voilà, bon, maintenant ça va mieux, heureusement. Mais je peux toujours pas conduire, hein. Alors, le OK. cinquième point, donc je suis électrosensible, évidemment. Donc, il faut que je débranche la box. Je ne supporte pas le Wi-Fi, les LED, tous les écrans. Ça va pas.
Le sixième point. Donc, depuis une dizaine d'années, j'ai des migraines. C'est en lien avec les hormones, avec la préménopause. Et donc, un matin, j'ai fait une grosse crise qui s'est traduite par des vertiges avec des vomissements pendant 1 heure à peu près. Donc là, j'ai consulté un neurologue qui m'a dit que ça, c'était une migraine cataméniale, donc voilà, liée aux hormones féminines. Mais donc, suite à ça, j'ai quand même, en 3 mois, j'ai maigri de 8 kilos parce que je pouvais manger que de la salade de carottes et que j'étais extrêmement, extrêmement fatiguée. Voilà, j'étais au bout du rouleau et ça pendant plusieurs mois, comme si je tombais en permanence dans un gouffre. Donc ça a été une période très, très pénible dont voilà que j'ai remonté la pente, mais vraiment très, très lentement. Et même encore aujourd'hui, j'ai des périodes où je suis très fatiguée. Voilà, sixième point. Le septième point, donc quelques années après cet épisode, j'ai commencé à entendre des voix. Donc alors là, quand ça a débuté, bon, je ne me souviens plus trop, mais il me semble que j'étais un peu branchée très très facilement sur toutes sortes de voix en fait, hein. Donc là, j'ai eu quand même, je me souviens que j'ai eu Yeshua, j'ai eu Ishtar et j'ai eu un maître en arts martiaux. Voilà. Mais comme j'étais toujours fatiguée et que ça ne m'intéressait pas, donc j'ai coupé. En fait, je n'ai pas écouté, j'ai préféré couper. Voilà, tout ça. Mais, et là sera ma véritable question. Quelques années plus tard, donc j'ai reçu des messages d'être d'Alpha du Centaure. Donc c'était à peu près en 2014. Alors donc ils m'ont délivré plein de messages qui ont constitué en fait comme une méthode de nettoyage du corps, enfin des émotions, du mental, de reconnexion à la source. Voilà, ils m'ont donné des informations. Donc, j'aimerais savoir à qui j'ai été connectée à ce moment-là. D'accord. D'autant plus que j'ai publié donc 2 livres avec tous ces messages. D'accord. Deux livres qui sont dans le commerce? Ben oui. Oui, qui sont en ligne, en tout cas. OK. Et pareil, en 2017, donc là... j'ai été connectée par un homme du futur, de 3702. Et là aussi, tu as eu des messages? Alors là, c'était plutôt, comment dire, j'ai vécu ce qu'il a vécu, c'est-à-dire la découverte de ce qui n'allait pas dans son monde. Et donc là, il y a un livre aussi qui est sorti, parce que là je suis contente. C'est un beau livre, en fait, c'est une belle aventure. Voilà. Mais savoir si j'ai bien été connectée à ce futur-là. D'accord, on va regarder ça. OK. Et maintenant, donc, je suis encore connectée. Donc, ils se sont présentés en tant que Ctoniens. D'accord. Voilà, et donc, ils des me Ctoniens. Racontent... Oui, les Ctoniens. Ça s'écrit comment? Ctonians. Ah, c'est ça, ok. Voilà. Bon, donc il te délivre des messages également? Et bien là, il me raconte l'histoire de la Terre, en fait. Et tu es en train de faire un livre aussi? Aussi, oui. Mais là, je sens beaucoup, beaucoup plus long. Bon, on verra ça. Ok. Voilà, donc ça, c'était le septième point. Le huitième point. Donc, par un moment, j'ai expérimenté l'expansion de conscience. Voilà. Et donc, je voulais juste partir en Polynésie française parce que c'était à ce moment-là une région, enfin, une zone qui m'intéressait. Et donc, comme je n'y suis pas arrivée, je me suis dit, je vais aller explorer une base militaire secrète. Voilà. Et là, j'ai réussi. Et j'ai vu, donc, 3 grilles. Devant des ordinateurs, en fait, devant des écrans de surveillance de, je pense, la population.
Et puis, il y avait dans un coin un autre, je pense que c'était un gris, mais maintenant je ne me souviens plus trop de de sa forme, plus grand, et celui-là m'a repéré. Donc, il est venu tranquillement, voilà, moi je me suis située dans l'angle haut gauche de la salle, et il est venu, il m'a regardé, et donc moi j'ai eu peur, je suis partie. Et le lendemain, j'ai essayé à nouveau, mais là, disons que je me suis retrouvée dans un couloir, et là, j'ai eu tout de suite un écran noir sur les yeux. D'accord. Donc, j'aimerais savoir où je suis allée D'accord. à ce moment-là. OK. Et puis le dernier point. Donc là, c'était quand même beaucoup plus jeune. Je faisais du yoga et lors d'une relaxation guidée, donc je me suis vue en tant que voile, un voile bleu et violet dans l'espace. Et puis ensuite, je me suis vue en tant qu'homme, enfin, je me voyais de dos. En tant qu'homme, j'avais de longs cheveux blancs et une tunique blanche. Je suis rentrée par une porte. Et là, j'ai eu deux visions de moi, une couchée par terre à plat ventre, les bras en croix, et puis l'autre, une couchée sur le dos et on m'enfonçait un pieu dans le troisième œil. D'accord. Voilà. Donc j'aimerais bien savoir à quoi ça correspond. Parfait. Bon. Bon, C'était bon pour toi? ouais, et faire Oui. venir Oui, qui ça? mon fils. Oui. Mes deux sœurs. Oui. Une amie. Et puis tout, ma chienne. D'accord. Voilà, et si on peut faire venir, mais là, donc ils sont décédés, mes parents, et puis Rosie, mon Yorkshire qui est morte et que j'aimais beaucoup. D'accord. Ok. Bon, eh bien, écoute, je te laisse couper le micro, puis nous, on part pour Oui, l'aventure. d'accord. C'est en bas à gauche. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 230. 230. Je te laisse augmenter. Cents. 19 300, parfait. À présent, connecte-toi à moi et dis-moi comment tu me vois. 270. 270. Je m'aligne sur toi. C'est bon. Voilà. À présent, connecte-toi sur Chantal et dis-moi comment tu la vois. Y a une sorte de ligne qui la traverse, comme une sorte de ligne de faille. Et ça vient comme couper en quelque sorte cette ligne de faille, ces corps subtils. Donc ils sont décalés, une sorte de décalage droite-gauche. C'est ça, c'est un décalage droite-gauche. D'accord. La ligne de faille, elle passe par les chakras. C'est vertical, en fait. Vertical et par les chakras. Et ça l'empêche de se rassembler. C'est comme s'il y avait une partie d'elle qui fonctionnait sur un plan et l'autre partie sur un autre plan. Et il y a une sorte de... C'est tantôt une partie qui fonctionne, tantôt l'autre. C'est à cause de cette sorte de ligne de faille. Ok.
au niveau de la tête. C'est là où la ligne de faille est la plus importante. Il y a une sorte d'aspiration qui se fait au niveau de la tête, légèrement penchée, comme s'il y avait une sorte d'aspiration d'énergie qui se faisait par là. C'est ce qui ressort principalement, en fait. D'où est-ce qu'elle vient, cette faille? Comment est-ce qu'elle s'est créée? Regarde. On dirait que ça vient d'elle. C'est-à-dire? C'est elle-même. Oui, c'est ça, ça vient d'elle. C'est elle-même qui l'a créée dans une tentative de fonctionner en multidimensionnalité. Mais c'est comme si le mécanisme était ouvert à moitié, n'est pas dans sa pleine potentialité. D'accord. Ok. Comme s'il y avait eu quelque chose qui avait grippé au moment de la mise en place. Une résistance de l'élémental, du corps physique, de la partie physique. Ok. Toujours au niveau de la tête, il y a comme si elle était aimantée par l'arrière, au niveau de la tête. Comme si cette sorte d'aimant tirait des deux côtés des tempes, mais à l'intérieur de la boîte crânienne et l'arrière de la tête. Tout ça, c'est comme aspiré vers l'arrière. Et c'est aspiré par quoi? C'est toujours à cet endroit de la faille. C'est comme s'il y avait une sorte de différence de pressurisation. Mais c'est dû à quoi? C'est aspiré par la quatrième dimension, en fait. C'est dû à cet état énergétique avec cette faille qui passe et qui est plus large, plus accessible au niveau de la tête. Est-ce que tu vois un dispositif? C'est relié à cette sorte d'aimant. Je ne sais pas si c'est un aimant, mais en tout cas, c'est magnétique. Bah, regarde. Regarde son origine. C'est... Cherche son origine. C'est relié à une sorte d'ordinateur avec des boutons de commande qui tournent. Oui. Et à chaque fois que ces boutons sont tournés dans un sens ou dans l'autre... ça fait varier, ça fait comme des volutes, ça fait varier les fréquences. Est-ce que ça pourrait être à l'origine de sa faille? Non, ça vient l'exploiter en quelque sorte et l'agrandir. Ok. Ça vient tirer dessus. Et qui est-ce qui est aux commandes de cet ordinateur? C'est des gris grands. Ils sont comme des robots. Il y a une surveillance en fait qui se fait. Et eux sont comme des robots. Et qui est aux commandes de ces grands gris? C'est relié avec la lune, l'énergie de la lune. Il y a d'autres êtres qui sont plus grands, physiquement proches, mais plus grands, et qui ont un lien direct avec la Lune. Qui sont ces êtres? Il y a quelque chose de métallique dans ces êtres. Je ne sais pas qui ils sont. Mais ces êtres-là sont sur une base lunaire.
Ok. À l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre si tu la scannes, si tu scannes tous ces corps? Il y a des sortes de, on va dire que ce sont comme des sortes de pastilles qui sont situées c'est au niveau des pieds, au Oui. niveau des hanches, au niveau des pieds, au niveau des hanches. Je perçois qu'il y en a d'autres, mais ça, c'est les principaux. Comme s'il y avait des pastilles principales qui en commandaient d'autres. Et il y a aussi quelque chose, mais c'est au niveau de l'abdomen. C'est lié au système comme une sorte de torsion. Tu sais, ces bobines électriques qui s'enroulent. Elle a quelque chose de ce type. Tu m'as dit que c'était lié au système, il y a une coupure, je crois. Digestif. Ah, d'accord. Ok. C'est placé en fait à la hauteur de l'estomac, entre l'estomac et le plexus solaire, là, et c'est relié au système nerveux central. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème tout ça, ces pastilles et ces espèces de bobines? Ça vient perturber les messages biologiques. Oui. L'élémental du corps ne reçoit pas les messages correctement. Ça vient perturber tous ces équilibres biologiques. Ok. Tu vois autre chose? Non, pour l'instant, c'est tout. Bon. Alors identifie-la, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien. Alors en son nom, on va convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix, elles sont sous mon autorité. 1, 2, 3. Alors tout de suite apparaît une sorte de squelette humain, mais de 2,50 m ou 3 m. Il est très grand. Il est menaçant et il est penché sur elle. Il est penché au-dessus d'elle. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est son image, c'est bizarre. Parce que quand je m'en rapproche, ça fait comme de la fumée. C'est comme si D'accord. c'était une image en 3 dimensions menaçante qui était envoyée là Un au-dessus hologramme? d'elle. Oui. Regarde l'origine. Cherche l'origine de cette image. Remonte à sa source. Ça me ramène à la base lunaire. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en nous envoyant ce squelette? Ils veulent nous faire peur? C'est une sorte de cheval de Troie, quelque chose de grand, d'immense, très voyant, qui est envoyé en avant pour pas qu'on fasse attention à ce qu'il y a derrière. Bah alors regarde ce qu'il y a derrière alors. Qu'est-ce que tu y vois? Y a des navettes, des vaisseaux, des flottes de vaisseaux qui se déplacent entre la face cachée de la Lune et la Terre. Et qui est-ce qui habite ces vaisseaux? Y a des allers-retours incessants. Ouais.
Ces êtres que j'ai vus tout à l'heure et des grilles aussi. Ok. C'est eux principalement, oui, qui sont là. Mais c'est quoi leur projet? Qu'est-ce qu'ils font, ces êtres-là? C'est les... Comment dire ça? C'est comme si c'était les surveillants du parc. Il y a une sorte de surveillance de l'espace terrestre. D'accord. Surveillance du parc terrestre, c'est ça? Ok. Très bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors, à part cet hologramme, à part tous ces vaisseaux? Y a des reptiloïdes qui sont présents aussi en arrière-plan, comme si eux ne se mouillaient pas en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est comme si c'était eux qui étaient aux manettes, mais en arrière. Ils sont derrière des sortes d'écrans, eux aussi. Et ils sont assez statiques. Ils envoient des ordres à distance. D'accord. Et qui vois-tu d'autre encore? Directement relié à elle, c'est tout. Et indirectement, jusqu'au plan archiavélicain. Y a des présences démoniaques qui rôdent. Elle récupère les énergies qui s'échappent, qui traînent. Ok. Et quoi d'autre encore? Et en arrière-plan, il y a la présence archontique. Très bien. Alors, Chantal va déclarer qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, sentiment, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les portes cachées et tout ce qui est secret, et également dans tous ces états de conscience. Elle ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, avec tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps d'origine et à ses énergies d'origine également, donc. S'en va avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. On la met dans une bulle christique de protection. Oui. Attends, je t'entends plus. Tu peux rapprocher ton micro? Est-ce que c'est mieux? Vas-y, monte encore. Est-ce que Monte-le c'est par là. mieux? Oui, c'est mieux là. C'est mieux? Apparemment, oui. Voilà, donc tu la mets dans une bulle christique. Oui. Elle se relie au cœur de Gaïa et à sa source. Oui, c'est fait. Très bien. Comment la vois-tu? Dans un équilibre, mais c'est assez précaire. Ok, donc elle aspire l'énergie dès le plan, hein, énergie de Gaïa, énergie de sa source. Elle répare ce qui doit l'être, elle reprend de la force, de la puissance. Elle rééquilibre ce qu'elle peut pour dépanner. Ah oui, c'est bon. Bien. Ok. Tu vas la scanner, tu regardes s'il reste quelques dispositifs ou d'autres choses. Non, il n'y a plus rien, mais c'est assez... Il n'y a plus rien, c'est pour ça qu'il y a cet équilibre précaire. C'est stabilisé pour le moment, mais... Ça ne pourra pas durer dans le temps. Ça ne durera pas dans le temps. Ok. Alors, regarde ton soi supérieur. Dis-moi sur quel plan il est et dans quel état il est. Est sur le plan Morontiel. Bien. Et son âme?
Elle est observatrice. C'est Oui. comme si elle s'était mise en retrait et qu'il y a des informations qui passent, qui glissent sur elle ou qui passent à travers elle, mais sans s'arrêter. Ça veut dire quoi qu'elle ne peut pas en profiter? C'est comme si elle ne pouvait pas exploiter tout ce qu'elle reçoit. Ok. Et c'est la partie subliminale, comment la vois-tu? Une sorte de, on peut appeler ça de magnétisme sur elle qui la bride dans ses capacités. D'accord. D'où Elle est-ce est qu'il vient? comme, elle est comme repoussée en arrière par un vent violent Et ça vient d'où ça? de sa situation énergétique avec cette faille. D'accord, ok. Bon, alors j'aimerais que tu me dises combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre, en sachant bien sûr que c'est pas exhaustif. 38. 38 vies. Parfait. Alors je veux que tu ailles avant la toute première vie, je veux savoir sous quelle forme d'existence elle était avant l'entrée dans la matrice. Donc je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Un tourbillon coloré. Elle vient d'où? Ça me ramène à son soi supérieur. Elle vient directement du sens supérieur, là. Oui. Ok. Quand tu dis tourbillon coloré, c'est sur le plan morentiel? Ça a pris la forme de tourbillon après. Il y a une intention qui part du plan Morontiel. C'est une des multiples manifestations du soi supérieur. D'accord. Et c'est Et quelle... celle-ci se manifeste sous la forme d'une sorte de tourbillon multicolore qui se déplace Et... à grande vitesse. Ok. Et si tu approches du moment où elle est entrée dans cette fausse matrice, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est sa décision ou pas? Oui, c'est sa décision. C'était quoi son intention? De s'incarner en être humain, Ouais. incarnation humaine. Ok. Et qu'est-ce qui l'intéressait dans l'incarnation humaine? Montre qu'elle ouvre quelque chose, qu'elle ouvre des portes. Mais ça semble très difficile. C'est des portes avec des codes. Et il y a une adaptation qui se fait, comme si elle est obligée de faire des adaptations qui viennent modifier sa nature première. Oui. C'est là que s'ouvre la faille. C'est comme si il y avait des mutations. C'est comme si elle se transformait à chaque adaptation, au fur et à mesure. OK. Pour ouvrir les portes avec les codes, elle est obligée de muter. Et il y a des transformations successives qui se font de ce tourbillon premier, de son essence première. Et c'est ça qui est à l'origine de la faille que j'ai vue tout à l'heure. Ça veut dire que cette faille, elle l'a eue dans les 38. Pardon, les 38 vies qui ont suivi. Il y a eu, alors, c'est pas la même faille. À chaque fois, elle est différente, mais elle est présente. Parce D'accord. qu'entre chaque incarnation, il y a eu tentative de recombinaison des codes, mais sans parvenir à gommer cette faille. Donc à chaque fois, dans chaque vie, cette faille reparaît, mais de façon différente, codée différemment. Ok.
Donc à chaque fois, c'est d'une faille différente, mais Oui. faille quand même, c'est ça? Oui. Et à quel moment elle s'est trouvée parasitée par les entités? Est-ce que c'est dès la première vie humaine ou c'est plus tard? Non, c'est dès la première vie humaine, dès qu'il y a eu la faille, dès que la faille s'est créée, dès qu'elle a commencé à se créer, elle a été en quelque sorte repérée et harponnée. Ok. Très bien. Alors, reviens ici maintenant. Oui. Demande au sens supérieur qu'est-ce qui est mieux pour elle. Est-il mieux de travailler directement sur le plan morantiel pour tout remettre à zéro? Ou est-ce que c'est mieux de partir juste avant la faille? Attends, il y a plusieurs lignes de temps qui se présentent. Il faut repartir du plan morontiel. D'accord, ok. Alors c'est ce que nous allons faire. Donc je compte à trois et ton esprit t'amène sur le plan morontiel avant toute manifestation dans la forme. 1, 2, 3. Tu la trouves. Oui, c'est bon. Tu peux baisser ton micro, s'il te plaît. On t'entend respirer. C'est vrai que c'est pas génial. Parle pour voir. Est-ce que c'est mieux? Bon, au niveau de... On t'entend pas très bien. Hein. Essaie de le rapprocher de ta bouche, peut-être. Là, c'est Bah, mieux. oui, peut-être, oui. Bon, nous verrons. Très bien. Donc, demande-lui, elle est devant toi. Oui. Bon, demande-lui, ça c'est pourquoi nous venons. Nous sommes là. Oui. Bien. Elle sait que je lui proposais donc de descendre directement dans cette incarnation en tant que Chantal, pour tout remettre à zéro, pour réinitialiser sa ligne de temps et de la rendre à ses pleins pouvoirs. Oui. Bien. Alors, en mode de déplacement quantique, ça lui convient? Oui, c'est correct. Alors, on y va. Juste avant son incarnation. 1, 2, 3. C'est bon. Alors, demande-lui quels sont ses projets sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions. Alors, c'est symbolique, mais elle me montre des nœuds qu'elle défait, ce qui correspond en fait à ouvrir des portes, ouvrir des espaces de lumière, de compréhension. C'est parce que les espaces sont lumineux. D'accord. Ok. Et ouvrir des espaces pour quoi faire alors? Ce sont des ouvertures de portes. C'est comme ouvrir la porte à quelqu'un qui est dans la pénombre ou dans le noir. Il y a Donc la ouvrir des... lumière, il y a la lumière qui rentre. Ouvrir des portes à l'attention d'autres personnes, c'est ça? D'humains, des êtres humains. Ok. Alors, c'est le moment d'entrer dans la physicalité. Dis-moi à quel moment elle choisit d'entrer, donc à 100%, dans ce corps humain. À 1 mois in utero. Un mois. Elle est connectée à quel pourcentage à sa source à ce moment-là? 92%. 92. Ok. Invite-la à monter à 100%. Oui, c'est fait. Bien. Maintenant qu'elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. C'est fait. Elle regarde son arbre généalogique et décide de ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut le couper partiellement, entièrement, réinformer, réaménager, transmuter ou autre? Elle le coupe à 80% environ et les 20% restants
Elle envoie, c'est des faisceaux d'informations qu'elle envoie. Très bien. Ok. Et maintenant qu'elle regarde son ADN, et là, que décide-t-elle? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement? Ou est-ce qu'elle veut le réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Bien. Alors on élimine l'ancien avec trace, mémoire et empreinte. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est fait. Et elle peut le refaire avec le gabarit de l'arbre de création, suivant sa meilleure version. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, elle remonte sa ligne de temps, elle va jusqu'avant sa naissance. Oui. Dis-moi combien est-ce qu'elle est connectée à son essence à ce moment-là? 72%. Voilà, donc elle se reconnecte à 100% et elle vérifie ses racines. Oui, c'est fait. Donc elle va s'apprêter à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel tout autour et elle vient au monde. Oui, c'est Elle bon. remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, avec le souvenir de qui elle est, de pourquoi elle est là, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, etc. C'est fait. Bon. Alors, elle est ici et maintenant? Oui. Très bien. Alors, elle va créer un faisceau d'énergie, donc qui va s'enrouler autour de cette nouvelle ligne de temps. Oui. C'est étonnant, cette ligne de temps, elle n'est pas... Elle part en gerbe. C'est-à-dire que quand on parle de ligne de temps, on imagine comme une ligne. Mais là, sa nouvelle ligne de temps, elle part en expansion. D'accord, c'est multidimensionnel, tu veux dire? Oui. Ok, c'est correct? Oui. Bien. Alors nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, dépassés, présents, futurs et surtout des plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Pour ça, elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, dans toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec trace, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller, et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Donc je vais inviter Chantal à vivre pleinement la séance, à être pleinement participative, ressentir, vivre, imaginer, enfin, etc. Donc, rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, promesses, accords, tacites ou non, conscients ou non, et de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles, les lois archiavéliques et les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores dans les mêmes conditions que celles précitées, ainsi que les lois de conséquentialité. Oui. Pour les lois de conséquentialité, nous allons les rompre également pour nous deux. 1, 2, 3. C'est fait. Rompre et effacer avec racines et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Effacer. Toutes les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes, les pensées racines, coupées avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Tu vérifies s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, c'est bon. Très bien. Alors, donc,
On va intégrer tout ça dans tous les états de conscience. C'est fait. À présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la dimension psychologique. Donc, si tout ne la concerne pas, tout va y être cité quand même. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie, ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le « je » n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Elle déclare. Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur et de réussite. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je contrôle ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que je co-crée. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare « De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. » Oui. Je me pardonne totalement, en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place
et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu. Oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle veut conserver, dans ce qui est juste et bon pour elle. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. À présent, elle va entrer dans tous ses corps. Elle va les intégrer comme un téléchargement. Jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Et dis-moi comment tu le vois de ton côté. Il est de forme humanoïde. Et toutes ces structures se connectent à la fleur de vie, à la graine de vie. Y a-t-il besoin d'activation ? Oui. C'est le moment ? Oui. Alors, activation. C'est fait. Très bien. Elle va demander à son élémental de procéder aux ajustements, aux harmonisations et rééquilibrages, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de tous ses systèmes, fonctions, organes, de sa biologie. Pour ça, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chaque molécule une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Bien. À présent, connectez la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. C'est fait. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Installer un programme de protection contre les ondes et fréquences nocives. C'est fait. Un programme de protection contre les systèmes, les influences de la conscience cellulaire, de la conscience collective, pardon, je dis n'importe quoi, qui rend son corps émotionnel et mental imperméable et crée autour d'eux un corps diamantin. Oui. Très bien. Un programme de protection aussi contre les mouvements lunaires. Donc, programmer une parade donc, à tous les contournements. Oui, c'est fait. Et une alerte aussi au moindre signe et approche d'une direction inadéquate. C'est fait. Très bien. Alors, un programme de protection contre toute substance nocive, neutralisation, transmutation ou évacuation dans son corps, sur et autour. Oui. Très bien.
et un programme de protection contre les ordinateurs et donc masse à les ordinateurs et j'avais dit l'intelligence artificielle. Ouh, j'ai des trous de mémoire là. C'est fait. Très bien. Connecte-toi à moi. Mm-hmm. Regarde ce qui se passe. Il y a un fond de fatigue en fait qui refait surface. Ah, d'accord. Ok. Rien d'autre ? Non. Bon, ben c'est pas grave. Ok, déconnecte. Mm-hmm. Très bien. Alors, elle va créer et activer son code de vie. Oui. Très bien. Installation de l'arbre de création avec activation dans les deux sens. Oui, c'est fait. Installation fleur de vie, graine de vie et double lémniscate activée. Oui. Bien. Maintenant, on va travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Donc pour ça, on va éliminer toutes les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. À toi de jouer. Elle s'installe une sorte de bulle protectrice à l'intérieur de laquelle elle vient se placer. Là, elle déplace son atlas. Et ça déclenche tout de suite cette onde puissante qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient les recalibrer, les réinformer une par une, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune à chaque organe et système dont elle dépend. Ça descend tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'au niveau du coccyx. Et là, cette onde vient chasser, je sais pas, c'est quelque chose de noir, de sombre. C'est comme si c'était des nuages gluants qui étaient venus se coller dans cette région-là, au niveau du coccyx, tout en bas de la colonne. C'est bon, c'est parti. Bien. Tout circule correctement, c'est bon. Rapproche ton micro, s'il te plaît, parce que là, on ne t'entend plus vraiment. Ah. Est-ce que c'est bon ? A priori, oui, je te dirai. Ok. Alors, je vais présenter à son élémental l'ensemble des systèmes principaux. Il va travailler pour chaque système par annuler en place. Mm-hmm. Donc, il travaille dans le détail et dans le global de chacun. Et dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Mmh. Et de mon côté, je vais effacer toute trace mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Alors, pour refaire chacun des systèmes, il peut se servir de l'arbre de création pour le refaire suivant le schéma, donc de perfection idéale. Système cérébro-spinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande immunitaire et hormonale. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel.
Oui. Système des cellules de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Le système des cinq sens et des sens extrasensoriels. On élimine toutes les programmations dans les mêmes conditions que précitées sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour les systèmes extrasensoriels, donc protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Bien. Alors, système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Cycles vitaux organiques et systémiques. Oui. Bien. Tableau général de tous les systèmes. C'est fait. Et maintenant, c'est l'ostéopathie générale. Oui, elle se sert d'un. C'est comme une sorte de fil à plomb sur lequel viennent se baser tous ces organes et systèmes. Tout est en correspondance, en fait, les uns avec les autres, et vient s'organiser autour de cette base que représente ce fil à plomb. Il y a des mouvements qui se font comme incontrôlés en quelque sorte dans tout le corps, même des micro-mouvements. C'est bon. Très bien. Alors maintenant la micro-kiné. Oui, elle vient activer les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Le massage métamorphique. Ça active une énergie de base, toujours présente, c'est bon. Très bien. Alors maintenant, je vais présenter l'ensemble des systèmes principaux avec les glandes associées. Chacune des glandes va être décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Dans chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux. Combien en vois-tu? Neuf activés. C'est bon. Très bien. Maintenant, on va travailler le féminin sacré et masculin sacré. Elle va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression, et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminée d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, elle va équilibrer les polarités avec la plan neutre. Équilibré. Bien. Alors, pendant que son élémental continue le travail, nous, on prend sa liste. Très bien. Alors, le premier point de sa liste, c'est l'algus valgus, donc haut de pied, et notamment le pied droit qui a été opéré, et ben, ce problème de vis qui ressort. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe à ses pieds d'abord. Pourquoi ces algus valgus? Bon, je prononce pas bien, C'est mais on se comprend. Hein. le corps qui réagit, c'est le corps qui réagit à ces sortes de pastilles Ah. qui diffusent des fréquences qui sont dérangeantes pour les cellules humaines.
C'est une réaction du corps. D'accord. Même le fait que la vis ne tienne pas en place, qu'il ressort comme ça, c'est aussi une réaction. Oui, parce que c'est pas stable d'un point de vue énergétique. Donc, ça vient désorganiser tout ce qui se passe au niveau de la biologie, en fait, dans les zones qui sont proches, qui sont autour de ces dispositifs. D'accord. Alors, bien sûr, dans cette nouvelle ligne de temps, vérifie s'il reste quelque chose de ces dispositifs. Non, il n'y a plus rien. Aucune trace, mémoire et empreinte. Non. Est-ce que l'élémentaire a gardé quelque chose en termes de souvenirs, en termes de traumatisme ou autre? Oui, il y a des mémoires et des traumatismes qui sont là. Très bien. La conscience cellulaire également? Oui. La cellule mère? Oui. Et la conscience organique? Oui. Et systémique? Oui. Très bien. Alors, on élimine tout ça. Avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est fait. Y a-t-il besoin de réinformer? Oui. Alors, dans toutes les parties citées, que tout soit réinformé. Pour cela, on peut les connecter également au chakra cardiaque. Oui. Pour recevoir l'amour qui contribue à l'équilibrage. Ça accélère. C'est fait. C'est comme un effet booster. Très bien. Alors maintenant, donc au niveau de la peau, elle a eu trois cancers. Bon, pas des gros cancers, mais cancers quand même. Au niveau du nez, épaule gauche, joue droite. On regarde d'où ça vient, ça aussi. C'est comme si l'élémental ne tenait pas le choc, en quelque sorte. Par rapport à cette situation énergétique avec cette faille, ça fragilise la biologie, ça crée comme une accélération cellulaire, mais trop rapide et désorganisée. Dans cette nouvelle ligne de temps? C'est comme si le corps, tu sais, voulait se débarrasser de ces fréquences qui le gênent. Et en ce faisant, il se sabote lui-même. Ok. Donc, dans cette nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il reste quelque chose de cette faille? Non. Bon, il n'y a plus rien. Est-ce que toutes les parties précitées, comme l'élémental, etc., ont un traumatisme, une mémoire, image ou autre? Oui. Traumatisme, c'était une suite de micro-traumatismes. D'accord. Donc, pour toutes les parties précitées, conscience cellulaire, etc., on élimine tout dans les mêmes conditions. D'accord. À trois, donc, sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. On va réinformer toutes les parties concernées. Toujours connectées au cardiaque. Oui, c'est bon. Très bien. Regarde maintenant. Donc, il y a aussi des grains de beauté, des petits angiomes. Bon, tout ça font partie de ces problèmes de peau, avec une peau qui est toujours grasse. Donc, je suppose que c'est les mêmes causes. Oui. Alors, est-ce qu'il peut envoyer des rayons pour dissoudre, faire ce qu'il faut pour dissoudre ce qui doit l'être, comme les grains de beauté, etc., et résorber ces angiomes? Et toutes les parties qui ont été touchées et envoyées de l'énergie, de l'amour, de la force de vie. Oui, elle est en train de le faire. Très bien. C'est bon. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose qui nécessiterait d'être faite? Non, c'est correct. Bien.
Alors, troisième point, l'intolérance au café, au chocolat, au pain, enfin, ou les intolérances alimentaires, regarde d'où elles viennent, y compris les allergies aux végétaux, aux produits chimiques, etc. Est-ce que tout ça a la même cause? Ça vient toujours de... Attends, s'il y a une bobine électrique, la bobine électrique, là, dans l'abdomen, le corps la rejette. D'accord. Dans le métabolisme, quoi, c'est ça? Hein? Ça part dans Ça tous les influe sur le sens. métabolisme? Oui, c'est comme si tu mets le feu à un élément étranger qui est en toi et ce faisant, ça vient brûler et désorganiser toutes tes fonctions. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, bien sûr. En voulant détruire quelque chose, ça, c'est une réaction surdimensionnée en fait. D'accord. Ok, je suppose qu'il ne reste rien de cette bobine dans cette Non. nouvelle ligne de temps. Non. Bon, y a-t-il besoin de nettoyer les traumatismes, mémoire, souvenirs, Oui. images? Oui. Ok, alors dans toutes les parties précitées également, on élimine dans les mêmes conditions sur tous les plans. D'accord? 1, 2, 3. C'est fait. Alors, on va réinformer également et toujours connecté au cardiaque. Oui, ça se fait tout de suite. Très bien. Donc, on est d'accord que c'est toujours l'élémental du corps, conscience cellulaire, la cellule mère, la conscience organique et systémique. Oui. À chaque fois, d'accord? Oui. Ok. Très bien. Regarde si il manque quelque chose. Non, c'est bon. Vérifie dans le futur, va dans le futur et regarde si elle va pouvoir maintenant manger du chocolat, boire du café, manger du pain. Il y a des informations qui sont absentes. Ah, c'est-à-dire. C'est comme si quelque chose avait été enlevé, mais qu'il fallait réinformer, Très bien. Alors. redonner des circuits d'information corrects au corps. Ok. Alors tu vois à quelle partie ça concerne? Regarde au niveau de l'ADN déjà, s'il y a des programmations qui demandent d'être installées. Pour faire en fait l'analogie avec un circuit électrique, c'est comme il manquait des fils, il manque des étapes. D'accord. Est-ce que tu envoies dans l'ADN ou pas? Oui, il y a des morceaux manquants. Ok. Elle peut rajouter maintenant, raccorder ce qui doit l'être. Oui. Allons-y. C'est bon. Très bien. Maintenant, dans les parties concernées, dans tout le système, qu'il soit métabolique, qu'il soit organique, systémique. Oui, les liaisons sont en train de se faire. Très bien. Toutes ces glandes endocrines. Oui. Au niveau neuronal, est-ce qu'il y a des circuits reconnectés ou recréés? C'est en train de se reconnecter. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose à faire? Non, c'est bon. Si, on va les reconnecter au cœur, chakra cardiaque, et envoyer de l'amour et de la force de vie. Oui, ça repasse par le circuit du cœur. C'est bon. Très bien. Je vais te demander une seconde pour. Alors, on va aller voir dans le futur maintenant. Va dans le futur et regarde comment elle est en présence du chocolat, du café, du pain et autres. La réaction est diminuée de 60 à 70%. Qu'est-ce qui manque maintenant pour que ce soit à 100%? Il y a des habitudes. Ah, regarde où sont installés ces programmes d'habitude.
C'est dans les programmes de base de fonctionnement d'Elemental. D'accord. On peut les éliminer? Oui. Tu vois où ça se situe? Oui. Alors, avec trace mémoire et empreinte, système duplicatif et répétitif copier-coller sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3, partout où ça se trouve. Ça fait comme des lamelles. Elles sont en train de s'éliminer les unes après les autres. Aspirer. C'est bon. Maintenant, on réinforme l'élémental et toutes les parties concernées pour reprendre un fonctionnement normal. Il peut le trouver dans le gabarit de l'ordre de création. Reprendre de la formation pour un fonctionnement normal et optimum. C'est fait. Très bien. On va aller voir le futur. Oui. Dis-moi comment ça se passe quand elle prend du chocolat, mange du pain. Une sorte de plateau d'hésitation du corps. Mais ça se maintient à ce plateau. C'est quoi ce plateau d'hésitation? Je ne comprends pas. C'est comme s'il y avait une courbe ascendante avec un plateau et descendante. Oui. Là, l'élémental du corps est en haut de la courbe sur le plateau. Il ne descend pas, il ne plonge pas dans la surréaction. Il est en amont sur ce plateau. D'accord. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction. Ça se passe bien. Elle peut manger du chocolat, du pain. Il y a une sensibilité, mais pas de surréaction. D'accord. Bon. Ok. Au niveau des allergies aux végétaux, à certains végétaux et aux produits chimiques, est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Bien. Très bien. Alors tu peux revenir ici et maintenant? Oui. Bien. Alors, quatrième point, c'est la phobie de la route. Donc depuis 20 ans, ce fameux soir donc, sur l'autoroute, elle s'est sentie mal avec cette crise de tétanie. Regarde ce qui s'est passé en fait. Va à ce moment-là et regarde ce qui se passe. Il y a des lignes. C'est comme si elle était tombée sur une cassure énergétique. C'est situé sur les autoroutes. C'est comme si, à intervalles réguliers, il y avait des sortes de lignes, de cassures, d'un point de vue énergétique, qui sont à la fois comme des checkpoints, des surveillances. Et c'est comme un choc. C'est un petit peu comme, pour elle en tout cas, comme si elle avait été un avion qui avait passé le mur du son. Ça fait un choc. Et d'où est-ce qu'elles viennent ces cassures énergétiques? Elles sont installées sur toutes les autoroutes. Pourquoi faire? C'est un système de surveillance. Mais c'est en parallèle. Je veux dire, c'est pas un système de surveillance humain. C'est au-dessus encore. C'est comme un système de comptage et d'analyse. D'accord. Ça compte et ça analyse la structure énergétique des humains et des êtres vivants qui passent. Et qui est-ce qui était à l'origine de ça alors? Ça me ramène vers les grilles derrière des écrans. D'accord, ok. Très bien. Il y a des checkpoints qui sont plus importants que d'autres. Il y en a des principaux et des secondaires. Donc c'est la raison pour laquelle... Celui sur lequel elle a été comme choquée, c'est un principal. Très bien. C'est venu désorganiser sa structure énergétique. Donc c'est un endroit qui est récurrent, c'est pour ça qu'une autre femme a eu le même genre de choses. Oui.
Mais ça, la réaction est proportionnelle avec la sensibilité des êtres humains qui passent par ces points-là. Certains êtres humains ne ressentent rien. La plupart ne ressentent rien. Alors, j'aimerais que tu regardes avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Regarde si elle repassait à cet endroit. Regarde si elle réagirait de la même façon. Ça vient créer un remous cellulaire. Oui. Il faut qu'elle fasse une sorte de bulle protectrice pour que ça ne se passe, pour que rien ne se passe. Alors, elle va créer une alerte. Elle va s'installer une alerte qui va déclencher cette bulle protectrice à chaque passage dans ce genre d'énergie. Donc, elle se crée une alerte avec une bulle protectrice qui va se former avant chaque passage. Une détection à distance. Oui, c'est fait. Très bien. Alors, va dans la situation et regarde comment ça se passe maintenant avec cette alerte et ce déclenchement de bulles protectrices. Y a comme une sorte de parachute énergétique qui s'ouvre. Et qui vient en protection. Donc rien ne se passe pour elle. Il n'y a pas ces remous. Très bien. Ok. Alors, je veux que tu regardes au niveau de son élémental. Et de toutes les parties d'elle-même. Donc, s'il y a des traumatismes, des mémoires, souvenirs et autres, images, blessures. Il y a un éclair blanc, comme un éclair de flash de photo. Il est où? C'est venu cristalliser. C'est venu comme figé, cristalliser, ça, comme prendre une photo de sa situation énergétique à ce moment-là. Et cette photo est toujours présente, en train de flotter dans ses corps subtils. Très bien. Alors partout où elle se trouve, on élimine. Est-ce que ça comprend aussi sa conscience cellulaire et son élémental? Oui. Conscience organique et systémique? Oui. Ok. Alors partout où ça se trouve, on élimine dans les mêmes conditions que précitées sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Alors, il y a besoin de réinformer? Oui. Alors que tout soit réinformé, allez. Tout en étant connecté à l'énergie du cœur. Ça vient combler les vides. C'est fait. Très bien. Vois-tu quelque chose qui reste à faire? C'est bon. Bien. Alors, donc elle est électrosensible. Bah, je suppose qu'avec ce que nous avons fait, ça ne devrait plus être un problème. On regarde, vérifie, en relation avec les ordinateurs, avec tout ce qui est ont des fréquences. C'est correct, ça ne dérange pas ces corps subtils. Bien. Ok. Alors, au niveau des migraines, donc elle a des migraines. Bon, donc, on lui dit que c'est des hormones. Regarde-toi d'où viennent ces migraines, avec les dernièrement vertiges et vomissements. Regarde ce qui s'est passé. Elle se sent au bout du rouleau. Pendant plusieurs mois, elle s'est sentie comme ça. Qu'est-ce C'est à qui cause s'est de passé? cette faille. Cette faille s'est agrandie. C'est comme s'il y avait eu un agrandissement brutal de la faille énergétique. Ok. Très bien. Donc dans cette nouvelle ligne de temps, c'est terminé. N'y a plus cette faille maintenant. Il reste des mémoires, traumatismes ou autres. C'est comme des points aveugles qui restent, c'est des traumatismes. Ok. Pareil, élémental, conscience cellulaire, systémique, organique. Oui. Allez, on élimine tout dans les mêmes conditions sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Alors.
On réinforme. Oui. On connecte au cardiaque Oui. avec de la force de vie. C'est fait. Très bien. Comment tu la vois maintenant? Stable. Bien. Alors, c'était une position, elle entend des voix, donc elle a entendu Yeshua, Ishtar, un maître en arts martiaux. Regarde, connecte-toi à ces communications et dis-moi d'où elles viennent. De la quatrième dimension. Oui. Qui en particulier? Lieu connexion à des archétypes. Elle a déployé ses antennes dans la quatrième dimension, mais c'est dû à cette faille. Pour retrouver les connexions avec elle-même, elle a déployé ses antennes et ses antennes se sont branchées en quelque sorte sur ces archétypes. D'accord. Et qui est-ce qui a animé ces archétypes? Qui est-ce qui a revêtu les apparences de Yeshua, d'Ishtar, etc.? C'est des présences dites démoniaques. Ok. Des esprits, ce qu'on peut appeler des esprits malins. C'est des sortes de démons qui sont. Ils s'amusent en fait, comme s'ils n'étaient pas réellement méchants, mais ils voient arriver des antennes et ils s'amusent avec. D'accord. Donc les messages qu'ils ont délivrés, qui sont devenus des livres d'ailleurs, c'est de quel type? Non, c'est pas devenu des livres. Ah d'accord, pas cela. D'accord, ok. Très bien. Donc il n'y a pas eu de livre pour ça. Très bien, donc on sait que c'est des voilà, des archétypes avec ces démons. Alors, elle a eu reçu des messages récemment d'Alpha du Centaure, avec des méthodes de nettoyage, de reconnexion, C'est etc. différent, la source n'est pas la même, la source n'est pas la même. Alors, de qui s'agit-il là? Regarde d'où ça vient. Ça vient des dimensions d'au-dessus. D'accord. Donc, est-ce que ça vient bien d'Alpha du Centaure? Oui. Et quelle est la nature de ces êtres qui ont inspiré tous ces messages? Ah, il y a quelque chose de comme une sorte de rayon bleu qui arrive et qui vient directement la connecter en fait aux antennes qu'elle a déployées là. Qu'est-ce que tu veux savoir? La qualité des messages, la qualité des êtres. C'est correct les concernant? D'accord. Donc les messages sont purs. Ils sont purs dans leur réalité. Très bien. Parfait. Alors en 2017, elle s'est connectée. Elle a été connectée aussi par un homme du futur, de 3702. Regarde. Connecte-toi à ça et dis-moi. Qu'est-ce que tu vois? Des lignes d'espace-temps qui se croisent. Y a des, c'est brisé. Il y a des lignes brisées avec des points de jonction. Tu veux dire que c'est ce qui a permis cette communication? Oui. Ok, donc cette communication a bien été réalisée par un homme du futur. Je ne sais pas si c'est réellement un homme, mais c'est une conscience qui Une vient. conscience du futur. Je peux pas déterminer si c'est du futur ou pas, mais c'est un autre espace-temps. Parce que quand tu parles de futur, tout vient en même temps. D'accord. Est-ce que 3702, c'est correct? Puisque c'est la date qui lui a été donnée. C'est correct dans le système de comptage ou de mesure de cette conscience-là. Mais je ne sais pas si ça correspond à notre système de mesure à nous. Est-ce que tu comprends ce que je veux Oui, dire? bien sûr. C'est Bien des sûr. lignes de temps brisées et ça fait comme des fils électriques dénudés
qui se touchent. Il y a de l'information qui passe, mais chacun transmet son information qu'il a sur sa ligne de réalité, dans son espace de réalité. Et souvent, même les mêmes termes ne recouvrent pas les mêmes réalités. Je ne sais pas si le chiffre est juste. C'est juste pour cette conscience-là, mais ça ne semble pas forcément correspondre à notre système de comptage à nous. Mais notre système de comptage à nous est faux. C'est pas bien clair. D'accord. Oui, j'ai pas de réponse précise à cette question. Bon, en tout cas, il s'agit bien d'une présence de ce qu'on appelle le futur. Ou là encore, c'est discutable. Attends, de ce que l'on appelle notre futur, oui. Oui, d'accord. Ok. Dans la qualité des messages qu'il a délivrés. Un de nos futurs. Oui, oui, parce que c'est en même temps c'est quantique et c'est des probabilités, c'est ça? C'est un des futurs probables. C'est ça. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de lignes qui se croisent et s'entrecroisent. D'accord. Ok. Très bien. En tout cas, c'est pas une manipulation. Il n'y a pas d'hologramme. C'est bien un être. Qui est-ce qu'il prétend être? C'est ce que je veux dire. Ça vient de façon. C'est l'analogie la plus proche, c'est vraiment comme deux fils électriques dénudés qui se touchent et ça fait comme des éclairs avec des paquets d'informations qui arrivent comme ça d'un coup. Très bien. Alors j'aimerais savoir une chose, qu'est-ce qui s'est produit entre le moment où elle reçoit les messages donc de Yeshua, Ishtar, etc., où elle est connectée avec la quatrième dimension, et ce moment-là où elle reçoit des messages qui sont plus purs et plus élevés. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui a permis ça? Il y a, tel que je l'ai perçu tout à l'heure, tu sais, il y a la faille énergétique en plein milieu, et ces corps subtils qui, gauche et droite, ça ne va pas en face. Et elle lance comme des antennes. D'accord. Et les antennes sont de plus en plus loin, vont de plus en plus loin. Ah, c'est ça. Ok. Très bien. Ok. Et aujourd'hui, là, maintenant, avec ce qui a été fait, comment tu vois ces antennes alors? Jusqu'où elles vont? La configuration est totalement différente, puisque là, il n'y a plus décalage. Donc, les antennes ne partent plus à l'horizontale ou en biais. Elles partent droite, légèrement penchées aussi. Mais il n'y a plus cette sorte de magnétisme qui tire vers le bas. Bien. Alors, autre point aussi, enfin, c'est toujours dans le même thème. Aujourd'hui, donc, elle communique avec un Cthonien. Qui lui raconte l'histoire de la Terre. Regarde, connecte-toi à ce Cthonien et dis-moi à quoi ça te mène. Alors, ça m'amène à une conscience qui est en train de transmettre des données d'une banque de données, d'une sorte de bibliothèque, qui est un transfert de banque de données. Mais c'est une banque de données qui est dans sa sphère de réalité, de cette conscience. D'accord. En ce qui nous concerne, nous humains, est-ce que ces informations sont fiables? Est-ce qu'elles sont exploitables? Elles sont exploitables au travers les filtres de cette conscience. C'est une conscience de quelle dimension? Ce qui vient là, c'est entre 8 et 9, 9e. D'accord. Ok. Ok. Et il vient d'où ce Cthonien alors? De sur quelle planète? J'ai pas de planète.
planète qui vient, c'est juste un autre espace-temps. Parce que tel que tu me poses la question, ça serait venir d'un autre lieu. Mais en fait, tout se passe en même temps. Tu imagines une ramette de papier, des papiers A4 là, pour imprimer. Chaque feuille de papier représente un espace-temps. Donc, il n'y a, y a pas de distance, en j'ai fait. J'ai pas vu. À droite. Ah, d'accord. OK. Et tu vois qu'il vient du quel monde, en fait, lui? Il vient d'un autre espace-temps. Avec l'analogie, c'est cette ramette de papier où chaque feuille extrêmement fine est un espace-temps. Donc, il n'y a pas... Mais... Il faut imaginer cette ramette de papier comme aplatie, mais encore une fois, c'est une analogie. Donc, en réalité, il n'y a pas de distance. D'accord. Tu vois que c'est un être plutôt extraterrestre, terrestre, intraterrestre. Comment tu le vois, cet être-là? Intraterrestre. D'accord. Voilà. OK. Alors, autre point, attends, qu'est-ce que j'ai noté? Je ne sais plus ce que j'ai noté. Voilà, en expérimentant donc une expansion de conscience, elle a visité une base militaire secrète, où elle y a vu trois grilles devant un écran. Et donc, ce grand qui l'a repéré. Regarde, où est-ce que ça l'a amené en fait? Dans une de ces nombreuses bases qui sont dessous. D'accord. Elle se situe où, celle-là? Sous Paris, celle-ci. D'accord. À quelle profondeur, à peu près? Je sais pas. Ce qui vient, c'est 100 mètres. Ah oui, quand même. D'accord. Et lorsqu'elle a voulu retourner le lendemain, donc elle s'est retrouvée devant un écran noir. Qu'est-ce qui s'est passé alors? L'accès lui a été bloqué. Interdit, bloqué. Hein. D'accord. OK. Voilà. Bon. Alors, en 9e point, donc, lorsqu'elle était plus jeune, elle a fait une relaxation guidée. Et elle s'est vue en voile bleue et violet. Regarde, qu'est-ce qu'elle a vu exactement? Elle a vu aussi, elle s'est vue coucher et elle s'est vue enfoncer un peu dans le troisième œil. À un autre moment, qu'est-ce qui s'est passé là? Elle est remontée dans ce que nous appelons le passé. Oui. Elle est remontée jusqu'à la manifestation de son essence avant l'incarnation humaine. Mais déjà manifestée dans une volute de couleurs et avec comme un focus sur des vies humaines passées. Mais encore une fois, elles ne sont pas passées. Tout est sur le même plateau. D'accord. C'est comme un projecteur qui se dirige tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre. Bon, et ce pieu enfoncé dans le troisième œil, est-ce qu'il y a eu des conséquences dans sa vie d'aujourd'hui? C'était une manifestation de cette même faille dont nous parlons depuis tout à l'heure. D'accord, OK. Très bien. Alors, on va faire venir son fils. Il est là? Oui. Tu fais venir ses deux sœurs? Oui. Cette amie à laquelle elle pensait? Oui.
sa chienne. Et bah déjà, pour cela, montre-leur le travail qu'elle est en train de faire. Il apparaît en gris foncé, son fils. En gris foncé, pourquoi? Je sais pas. Regarde pourquoi est-ce qu'il est en gris foncé. Prends l'information. Il y a une sorte de nuage gris foncé sur lui. Ah, d'accord. Donc montre-leur à tous le travail qu'elle est en train de faire et demande-leur s'ils veulent en profiter. Oui. Bien. Son fils aussi? Oui. Très bien. Est-ce qu'ils acceptent un petit coup de pouce avant? Oui. Alors, comme chacun donne sa permission, donc on va dégager toutes les entités pour chacun en lien direct et indirect avec chacun d'eux, jusqu'au plan archiavélique, avec tous les dispositifs, tout ce qui n'appartient pas à leur corps d'origine et à leur origine de leur énergie d'origine, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif, objectif, copier-coller, programmation. Chacun va rompre tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences. Je compte à 3 et tout dégage. 1, 2, 3, pour tout le monde. C'est fait. Très bien. Chacun se met dans une bulle christique, se connecte au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Reprend de l'énergie et de la vigueur et de la puissance. Chacun va travailler sur son arbre généalogique. Oui. Et sur son ADN. Oui. Les racines sont programmées uniquement pour cette existence. C'est fait. Voilà, ils vont regarder ce qui a été fait jusqu'à maintenant et on va dire modéliser donc dans ce qui est juste et bon pour soi. Et continuer sur ce que nous allons faire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est correct. Très bien. Maintenant, tu vas faire venir ses parents qui ont quitté ce monde. Oui. Et puis Rosine, sa chienne. Elle n'est pas sur le même... C'est comme si elle était occupée à autre chose. Ouais. Bon, tout va bien pour elle. Oui. Ok. Très bien. Comment est-ce que tu vois les parents? Oui, je les vois, oui. Ils sont où? Sur quel plan? Ils sont en train de flotter sur un plan intermédiaire. Est-ce qu'ils ont besoin d'un coup de main? Dans une sorte de relative inconscience. Ça se balance légèrement. Il n'y a pas vraiment d'inconfort, mais c'est pas merveilleux non plus. C'est un entre-deux. Adresse-toi à leur soi supérieur et demande-leur si ils veulent qu'on fasse quelque chose pour eux. Est-ce que c'est adéquat ou pas? Oui. Pour tous les deux? Oui. Très bien. Alors, puisque nous avons la permission du soi supérieur de chacun, on va les connecter tous les deux à leur source. Il y a de l'énergie qui fuse et qui vient comme les réveiller. Oui. C'est comme une sorte d'électrochoc, en fait, quelque chose comme ça. Ils se demandent ce qu'ils font là, maintenant. Très bien. Déjà, on va les dégager de tout ce qui... comme tout le monde tout à l'heure, hein, on va les dégager dans les mêmes conditions, d'accord? Avec tout ce qui a été dit et cité. 1, 2, 3. Voilà. C'est fait. Maintenant, tu les invites à remonter à la source comme une étoile filante. Ils sont déjà partis. Très bien. Ils ont quelque chose à dire à leur fille avant de fusionner avec la source?
Il y a une vague d'amour qui est descendue vers leur fille. C'est très léger, très subtil. Juste avant qu'il monte. Très bien. Bon, eh bien écoute, c'est la fin de sa liste. On va continuer le protocole. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Parfait. Alors, couper, désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver avec toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans des dents du sang, que ce soit des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques qui n'appartient pas au corps d'origine, qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de son corps. 1, 2, 3. Oui. Très bien, maintenant... Depuis son plan morentiel, elle récupère toutes ses énergies. Oh oui, c'est fait. Très bien. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activée. Oh oui. Connexion à la grille cristalline. Oh oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oh oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Ah oui. Connexion au soleil central. C'est fait. Activation de l'implant neutre. Ah oui. Programmer la permanence et l'équilibrage de ces processus. Ah oui. Le rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur. Qui déclenche cette fameuse fontaine de jouvence énergétique. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Activé. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celles du rajeunissement et de la régénération. Oui. En programmer également la permanence et l'équilibrage. C'est fait. Guérison instantanée pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Elle fait descendre informations, énergie et code pour toutes les parties concernées. C'est fait. Elle installe et active l'arbre de Séphiroth dans les deux sens. Non, l'arbre de création, pardon. C'est fini, Séphiroth. C'est fait. Elle installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activée également. Oui. Très bien. Alors à présent, son baume de vie régénérant. Elle prend des cellules souches. Oui. De l'eau primordiale. Oui. Fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activée. C'est fait. Elle enduit tout son corps des cheveux jusqu'aux orteils, à la surface et à l'intérieur. Oui. Toutes les parties, surtout la peau, du visage, etc., partout où il y avait eu ces cancers. Mm-hmm. Voilà, elle prend le temps de bien enduire et de bien ressentir. Ça vibre doucement sur toute la surface de son corps. Très bien. C'est bon. Et là, elle va le programmer aussi dans la permanence et l'équilibrage. Oui. Alors, je veux que tu regardes son ADN éthérique et que tu me dises combien est-ce que tu vois de brins déconnectés. 9. 9. Combien y en avait-il avant la séance? Il y en avait 7. Est-ce qu'elle peut en connecter d'autres?
Pas tout de suite. Plus tard. Là, c'est ce qui correspond à l'instant présent, maintenant. C'est ce qui est correct D'accord. maintenant. Plus tard, ça se fera naturellement? Oui. Bien. Quelle différence ça va faire pour elle alors? Elle va pouvoir. C'est comme si elle pouvait récupérer plus facilement l'information venant de ses antennes déployées. C'est comme si elle allait gérer plus facilement et plus efficacement les informations. Très bien. Combien est-ce que tu vois de temps pour l'intégration totale de sa séance? Entre 5 et 8 mois. 5 et 8. Bien. Est-ce que tu vois des effets qui vont être rapides? Oui, mais c'est très mobile. Ça m'emmène toujours à ces antennes qu'elle déploie et elle teste plusieurs directions, plusieurs hauteurs. Donc ça peut aller de d'états de bien-être très confortables à des états où elle se sent inconfortable. Et D'accord. ça varie de l'un à l'autre. Donc là, tu parles des effets de l'intégration, c'est ça? Oui. Très bien. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des étapes d'inconfort? C'est des tests. C'est comme si tu avais un clavier de piano et est en train de composer un nouveau morceau et tu essayes des notes, des accords. Il y en a qui sonnent faux, qui sont discordants. C'est ça les effets d'inconfort. Et D'accord. petit à petit, tu arrives à trouver l'harmonie. D'accord, ok. Ok, c'est la recherche de nouveaux fonctionnements, quoi, c'est ça. Un Oui. tâtonnement. Hein? Très bien. Parfait. Bon, eh bien écoute, on va enrouler son ADN d'un double sinusoïde d'énergie issu de sa source. Oui. On va aller voir maintenant son domicile. Dis-moi comment tu le vois énergétiquement. À ciel ouvert, c'est comme s'il y avait énergétiquement une sorte de dôme transparent au-dessus. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce dôme? À la fois, c'est un dôme d'observation. Donc, à la fois, ça lui permet d'observer, mais à la fois, elle est observée. Qui est-ce qui l'a créé, ce dôme? Donc, il n'y a pas d'intimité, en quelque sorte. Qui l'a créé? Il s'est créé tout seul. Il est accordé. Les fréquences sont accordées à la faille énergétique que j'ai vue tout à l'heure. Ok, donc elle veut s'en débarrasser. Oui. Bien. Avant ça, vérifie au niveau de son domicile dessous si tu vois des désordres géobiologiques ou énergétiques. Oui, il y a des croisements, comme des croisements de lignes en dessous. D'accord. Mais elle le ressent, c'est faible, mais elle le ressent. Qu'est-ce que ça lui crée comme problème? Ça vient perturber ses énergies. Ça la rend mais plus sensible, comme s'il y avait une sorte d'électricité dans l'air et qu'elle était sensible à ça. D'accord, ça la rend plus vulnérable donc. Oui. Ok. Donc tu vas créer une dalle suffisamment épaisse avec des canalisations qui vont évacuer donc toutes ces énergies pour qu'elles ne soient pas stagnées sous la surface.
et évacuer bien sûr loin des habitants pour ne polluer personne. C'est fait. Et tu programmes la dalle pour être permanente et stable dans le temps. C'est fait. Bien. Alors maintenant, elle va faire une grosse tornade et elle nettoie tout. Allez, elle élimine ce dôme. Et elle ferme tout pour être dans son intimité. Oui, c'est bon. Parfait. Partout où elle installe des fleurs de vie, plaque Tesla, graines de vie et double l'hémdiscate activé. Oui. Sur son compteur général, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Elle y installe une fleur de vie, une graine de vie et un double l'hémdiscate activé. C'est fait. Sur le plafond, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara avec un parfum et un son qui se module. C'est fait. Elle remplit tout son espace avec sa propre énergie. Oui. Elle le met dans une bulle christique avec elle aussi. Et tous ceux qui habitent ce logement, s'ils sont d'accord. C'est fait. Très bien. Nous allons maintenant programmer des protections pour tous les différents états de conscience. Oui. Rejoindre le début et la fin de la séance. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de la métabolisation complète et réussie. C'est fait. Les deux fusionnent, s'expansent, et rayonnent et irradient. Oui. À l'intérieur, on installe sonde élémentale. Oui. Toutes ces bulles de création. Oui. Et toutes ces bulles d'intention. Oui, c'est fait. Et maintenant, tu y mets une fleur de vie, une graine de vie et un double l'hémdiscate qui active le tout. Oui. Et autour, un corps diamantin. Oui. Voilà. Alors maintenant, demande à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il y a la liaison directe. Il n'y a plus l'information qui vient à moitié ou en tout cas déformée. La réception, en quelque sorte, est fluide. C'est correct pour le soi supérieur. Eh bien, est-ce qu'il a des conseils à prodiguer à sa partie physique ou des choses à lui dire? Elle sait ce qu'il faut faire et les informations à venir viendront en temps voulu. Bien. Regarde son âme, dis-moi comment tu la vois. Elle est plus structurée. Mmh. Elle s'est allégée et en même temps, elle est plus structurée. Ok, et sa partie subliminale? Elle est aussi plus légère et plus fluide, comme si c'était plus facile pour elle. C'est plus facile à gérer. Ok. Bon, ça va être le moment de terminer cette séance avant la douche énergétique et le retour. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même, ses parties supérieures et dans cette nouvelle version donc, de Chantal. Nous allons redescendre de fréquence. Oui. Nous réancrer. Oui.
et harmoniser si nécessaire. Oui, c'est fait. Très bien. Tu as besoin de quelque chose? Non. Bon. Alors, on va halper tout le monde. Est-ce que tout le monde a terminé pour la douche? Oui. Chacun va trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence qui est composée de sons, d'énergie, de couleurs, de rayons, de parfums, de géométrie et d'informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et les apprécier pleinement. Oui. C'est bon. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Et maintenant, on va terminer par la douche christique or, diamant et bleu. Oh oui, c'est fait. Parfait. Alors, selon sa propre échelle de mesure, dis-moi quelle était sa fréquence avant la séance. 12 000. Quelle est-elle maintenant? 28 000. Très bien. Est-ce que ça va bouger? Oui, ça va bouger, mais pour venir se recentrer autour des 28 000. Très bien. Alors, chacun va sortir de son endroit, fermer le portail derrière soi et retourner à sa place respective. C'est fait. Es-tu prête pour le retour? Oui. Oui. Et 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel, comment te sens-tu? Bien. Bien revenu, bien ancré? Oui. Ok. À nous Chantal. Voilà. Voilà, voilà. C'est fait. Oui. Enfin. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, Pascal. Voilà, je suis bien contente de cette séance. Je suis heureuse de savoir que je ne suis pas totalement folle. Et voilà, quoi. Tu as ressenti des choses pendant le travail? Pas vraiment. Pas vraiment, non. Disons que là, j'ai les mains un peu moins moites. Voilà. Mais non, je n'ai pas trop senti dans le corps. Mais disons que il y a eu des recoupements, quoi, notamment au niveau de, quand tu as parlé de l'estomac, dont je n'avais pas parlé et qui me cause bien du souci, qui me causait bien du souci. Je comprends mieux maintenant. Mais oui. Et aussi, pareil, les portes que j'ouvre avec un code ou je ne sais plus trop quoi. Et en fait, c'est rigolo parce que l'homme du futur m'a contacté parce que j'ai changé le code de ma porte d'entrée. Je l'ai mis en 3702. C'est rigolo. Effectivement. Ouais. Super. Bon, ouais. En tout cas, bah, j'espère que tu donneras des nouvelles. Hein. Bah, oui, volontiers. Voilà. Et puis, tu connais mon conseil hein, de revoir ta vidéo, hein, de bien la réécouter, la revivre, prendre de l'information, etc. Quoi. La ressentir. Donc, tu m'autorises à la publier ou non, alors? Bah oui, quand même. Est-ce que tu veux te flouter? Oui, tout à fait. Je vais te flouter, d'accord. Bah, c'est déjà mieux que rien. Alors, sache qu'elle ne sera pas publiée tout de suite. Hein. On est d'accord? Comme j'ai voilà, des problèmes d'Internet. Donc, je ne peux pas te dire quand. Par contre, pour l'instant, tu peux la récupérer sur Skype. Hein. Elle est en petits morceaux. Donc, tu peux déjà la visionner. Et tu peux, en cliquant droit, l'enregistrer ou sur l'ordinateur ou sur une clé USB. Tu verras bien. Hein. Enregistrer sous et tu la récupères. D'accord. Sachant qu'elle ne reste que un mois sur Skype, donc récupère-la rapidement. Ouais. D'accord? Ok. Oui. Et puis moi, bah, de mon côté, c'est quand je pourrai, tu pourras la retrouver en ligne. D'accord. Merci à toi, Chantal, et merci à Emmanuel, bien sûr. À tous les deux. Merci beaucoup. Et à bientôt pour les nouvelles, d'accord? Oui, ouais, d'accord. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.